papa. C'est un honneur pour moi de porter la flamme olympique de Paris 2024. C'est un moment unique, incroyable. Ça arrive qu'une seule fois dans une vie. Ouais. Non mais, je peux pas m'empêcher. Je peux pas m'empêcher de partager avec vous ces images qui évidemment nous vont nous emmener je ne sais où, jusqu'où on va aller. D'ailleurs, la France, avec Macron, on va rentrer en guerre contre la Russie, on va envoyer des troupes, et peut-être qu'on va mobiliser ce type de profil pour se battre contre les mauviettes de Russes. Je pense qu'avec ce type d'image, les Russes vont avoir peur de nous. C'est nous qui avons la vérité. Ça se voit d'ailleurs à travers ces Jeux Olympiques, on voit qu'on détient la palme de la tolérance, de l'ouverture d'esprit, et gare à ceux qui critiquent, parce que on aura toujours, si vous voulez, ces fameux anathèmes pour bloquer toute contestation. Homophobe, raciste, antisémite, on vient de me le faire, voilà, parce que je critique le CRIF, je suis antisémite, voilà, voyez. C'est la mode aujourd'hui, les anathèmes. Les gens étant à court d'arguments, ils emploient l'excommunication. Mais le problème, c'est que ça ne marche plus. Tout le monde s'en balance. On voit que ça ne marche plus. On voit que là, Dieu merci, ça ne fonctionne plus. Et donc, on peut dire ce qu'on pense, même dans un environnement de censure. On va finir par, finalement, tous dire ce qu'on pense, puisque ça n'existe plus. La farce à l'excommunication par anathème, ça ne marche plus. Ça ne fonctionne plus. Je suis désolé, ça ne fonctionne plus. Vous avez beau crier raciste, raciste, antisémite, antisémite, homophobe, homophobe, transphobe, transmophobe, etc. On n'en sort plus, homophobe. Enfin, bref, on est perdu dans toutes ces anathèmes où vous êtes le méchant qui critique le réac, le type monstrueux qui effectivement désigne l'absurdité de notre monde et qui se voit exclu, bien entendu, de la société, parce que la moindre critique aujourd'hui n'est plus supportée par personne. J'ai eu des exemples récemment, des gens qui ont de la bouillie dans le cerveau, qui ne comprennent rien. Enfin, c'est dramatique, hein, c'est dramatique. Donc du coup, on assiste au spectacle, on regarde tout ça tranquillement, et puis on leur dit, bah, allez-y, hein, allez-y, vous allez voir entre ce type de spectacle hallucinant. Alors, toujours pareil, les porteurs de femmes, les porteurs de flammes, la femme olympique, tout sauf des sportifs, tous des gens émérites, tout sauf des gens qui ont bossé toute leur vie pour avoir une performance sportive, ils sont exclus. On ne prend que des clowns, que des archétypes du wokisme qu'on veut promouvoir. Alors, wokisme, société multiculturelle, islam, par contre, tout ce qui est christianisme, catholicisme, tout ça, il faut bannir, mais on met en avant toutes ces valeurs nouvelles que sont le wokisme, la GPA, comme vous voyez sur ces photos, l'islamisme, c'est très bien, le voile, c'est formidable, vous voyez, c'est un drôle de monde dans lequel on se retrouve. Et on n'attend qu'une chose, c'est que tout ça explose en mille morceaux. Et alors là, je crois qu'on va devenir, ça va être notre récompense, c'est l'explosion de tout ça. Ils veulent en arriver là, et on va y arriver, mais tous les neuneux qui gobent et qui comprennent rien, c'est eux qui vont prendre plein la tête, qui vont subir ce festival qui va finir par un bouquet final d'explosion. Et nous, ben, on rigolera parce qu'on dira, ben voilà, oui, vous avez vu où ça nous mène tout ça. Et donc, on attend patiemment que tout ça explose et finisse de sa belle mort, parce que effectivement, ça ne peut que mal finir. Et je vous souhaite une bonne soirée.